Madame, Monsieur, bienvenue dans Continental. En cette semaine de célébration de la fête du travail, nous avons décidé de mettre l'accent sur l'emploi des jeunes en Afrique. Des jeunes qui sont chaque année plus de 30 millions à investir le marché du travail sur le continent. Commence alors un véritable parcours du combattant pour décrocher un premier emploi et s'assurer un revenu décent, surtout lorsqu'on sait que 70% des jeunes Africains vivent avec moins de 2 dollars par jour. Voici le sommaire. Cette semaine dans Continental, en marge de la célébration de la fête du travail, vous découvrirez les parcours parfois semés d'embûches de porteurs de projets et de jeunes diplômés au Cameroun, en Guinée-Conakry et au Maroc. Dans la seconde partie de votre magazine, décryptage de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier du Sahara qui consacre de nouveau la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie. Vous verrez comment le Mozambique tente de se relever après le passage dévastateur du cyclone Kenneth. Nous nous rendrons en Afrique du Sud qui reste confrontée aux inégalités entre blancs et noirs 25 ans après la fin de l'apartheid. Vous partagerez aussi le sort de ces chasseurs de truffes blanches en Libye qui bravent l'insécurité et le froid pour cueillir le précieux champignon. Nous irons à la découverte du continent à travers les goûts et les saveurs présentés au Centre culturel africain de Rabat avant d'explorer les lumières d'Afrique au gré des 54 créations d'artistes exposées au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de la capitale. Plus de 30% des jeunes n'ont pas d'emploi en Afrique, sachant qu'ils représentent la plus grande part de la population avec plus de 200 millions de personnes. Alors pour relever le défi de l'accès au monde du travail, l'Afrique mise sur l'entrepreneuriat. Les jeunes sont incités à créer leur propre projet, à faire preuve d'ingéniosité. Un appel auquel a répondu Martin Birok Mbang au Cameroun en lançant son affaire dans le secteur de la logistique et du transport avec en plus pour vocation d'embaucher un maximum de compétences de sa génération. C'est un reportage de Mamoudou Sadou. À l'arrière de son véhicule, Martin Birok Mbang ne perd pas une seconde. La concentration atteint son pic. Il doit impérativement faire valider un devis par son partenaire tunisien. Moi, personnellement, je prends l'expérience du touristique. Ils vont prendre le dossier plus rapidement en considération parce qu'il a demandé DNS d'envoyer par Simsoft. C'est ça le... Un échange téléphonique de plus d'une heure aux allures de vidéoconférence avec la task force du jeune manager. Et puis, nous allons suivre le dossier. L'activité de ce Camerounais de 32 ans au caractère trempé génère une cinquantaine d'emplois directs. Estelle Amli Ouago est employée de bureau depuis bientôt 10 mois. Créteil comptable ici, je travaille depuis février 2018. Nous sommes ici 8, oui, et ouais, un trait salarial, c'est tous les mois. C'est vrai que Il y a parfois un peu de retard, mais bon, le retard n'est pas... Voilà, ça peut retarder peut-être 2 ou 3 jours, mais c'est réglé. Pour Martin Birok Mbang, cap sur Bassa, l'une des zones industrielles de la cité économique camerounaise. L'escale se fait cette fois au niveau d'un parc automobile. Cyril Samankoulou apprécie l'impact de l'expertise de son partenaire sur le quotidien de son entreprise. Désormais, tout est géré avec parcimonie. La performance au quotidien, la rentabilité au maximum et un investissement minimum. Nous, on faisait vraiment beaucoup de gaspillage dans l'anarchie. Et maintenant, tout est en ordre. Et on sait quelle est l'utilité peut-être d'une pièce. Combien d'années ça peut mettre et on essaie aussi de voir les pièces de rechange qu'on peut garder. Monter son entreprise est un idéal au Cameroun. Le problème est que la longévité des startups n'excède pas 5 ans. Le manque de maturation des projets et l'accès au crédit financier sont les principaux cailloux dans la chaussure des jeunes entrepris de confronter aux dures réalités de l'environnement économique local. Martin Birok Mbang en est conscient. Il en appelle à plus d'encadrement et d'engagement de la part des pouvoirs publics. La seule chose qu'il faudrait, c'est que les administrations puissent trouver des moyens afin de garantir l'accès au crédit pour des projets vraiment viables.
Et dans ce sens, je pense que beaucoup de jeunes pourront avoir des moyens suffisants pour financer un certain nombre de micro-projets. C'est ce qui est important et c'est ce qui généralement cloue beaucoup de jeunes qui ont des projets mais qui n'ont pas l'accès au financement. Or, les banques africaines, généralement, on se rend compte que ce sont des banques qui sont en sous-liquidité. À ses compatriotes et autres Africains épris de l'Eldorado occidental, Martin Birok-Mban déconseille la traversée du Sahara ou l'aventure en plein océan Atlantique. Si nous, on a pu réussir, c'est qu'ils peuvent réussir. Ça veut dire que le climat il est favorable, il faut juste être là où ça se passe. Le Cameroun, et par extension l'Afrique, a d'énormes potentialités à offrir. Reste aux jeunes de filer le bon coton. Je n'ai jamais voulu être un employé. Ça, c'est une idéologie que j'ai forgée depuis l'enfance. Je suis né d'un papa planteur et d'une maman, je ne saurais dire ménagère. Je suis né au village, entre les pieds de caféier. Et je suis arrivé en ville pour mes études, dans une famille vraiment nombreuse. Et lorsque j'ai atteint mon brevet de technicien supérieur, je me suis dit une chose. Je suis déjà technicien supérieur. Je n'ai plus besoin d'aller plus loin. Si je ne peux pas encore m'affirmer en qualité de technicien supérieur dans mon propre pays. Ce technicien supérieur en logistique et transport a d'ailleurs fait sienne les pensées des deux maîtres à penser contemporains. Plus on est intelligent, moins on parle, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. En Guinée-Conakry aussi, les pouvoirs publics multiplient les appels à la jeunesse pour les pousser à monter leur affaire. Le pays vient d'ailleurs de créer un concours télévisé qui permettra aux gagnants de financer leur petite entreprise. Une préoccupation partagée par ces nouveaux venus dans le monde du travail que nous avons rencontrés et qui tentent non sans difficulté de franchir le pas qui mène vers un premier emploi. C'est un reportage d'Asma Oubak. Le constat se fait à l'œil nu. Conakry, la capitale guinéenne, est une ville jeune par excellence. Mais ne vous fiez pas à cette atmosphère de ville dynamique. En réalité, 3 jeunes sur 5 sont touchés par le chômage et le sous-emploi, selon des chiffres du Fonds des Nations Unies pour la population. À 30 ans passés, Sireba, diplômé depuis 9 ans, n'a toujours pas son premier emploi. Ce matin, il décide de se rendre à l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi. Il lui propose d'ailleurs une inscription en ligne sur la base de données de l'agence. Désormais, il recevra par courrier électronique des offres d'emploi et des stages dans des entreprises locales. Peut-être qu'un jour, il trouvera son salut. En attendant, il noie son chagrin dans un café, espérant de lendemain meilleur. Je pense bien venir en aide à ma famille, surtout à ma mère qui est vieille maintenant. Ça me travaille beaucoup dans la tête. Je me dis que j'aimerais pas qu'elle meure maintenant et que je n'arrive à rien faire pour elle. Ça va beaucoup jouer dans ma conscience. Donc je me dis même qu'il faut que je me batte pour acquérir un emploi. Abdul Gadir Ibari s'est spécialisé dans le domaine de la recherche d'emploi. Ce coach d'un autre genre reçoit des jeunes à qui il explique qu'il faut développer des astuces pour vendre son profil et ses compétences. La recherche d'emploi est une activité qui n'est pas simple. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a sur le marché du travail plus de demandeurs d'emploi que d'opportunités d'emploi. Ce qui fait que d'année en année, le nombre de chômeurs va en augmentant et cela réduit les chances d'obtenir un emploi. Makaba a décroché un master en sociologie. Aujourd'hui, il écume les ruelles du marché Madina, le plus grand de toute la Guinée. Son business consiste à aider des commerçants, souvent illettrés, à tenir leur compte et passer des commandes de produits à l'international. À la fin de la journée, son plus grand réconfort, se retrouver tous les soirs, sa famille, avec un cadeau à la main. Le premier bénéfice que je tire de cet emploi, en fait, c'est l'indépendance. Je suis indépendant, j'arrive à vivre ma vie comme il me convient. Tout le monde ne peut pas obtenir un emploi dans l'administration, donc il faut faire preuve d'ingéniosité.
Les jeunes Guinéens en sont réduits à faire preuve d'ingéniosité dans un pays où les potentialités entrepreneuriales ne manquent pourtant pas. Et c'est parfois au Maroc que des jeunes ressortissants d'autres pays du continent parviennent à décrocher un emploi. Qu'ils soient étudiants ou diplômés, ils n'hésitent pas à saisir les opportunités offertes par l'offshoring, un secteur qui leur assure également de belles perspectives d'évolution de carrière, comme c'est le cas pour Moussa et Bassirou que nous avons suivis à Casablanca. C'est un reportage de Salah Din Sofer, Hicham Karti, Mohamed Lkhair et Safia Mjid. Arrivé au Maroc en 92, Moussa Sall occupe le poste de superviseur dans un centre d'appel. Son client principal est basé au Canada. Le décalage de 5 heures imposé par les fuseaux horaires lui permet de passer plus de temps avec ses enfants. Bravo, c'est très très bien. Alors, ça c'est juste un cours d'arabe qu'il a fait aujourd'hui à l'école, qu'il est en train de répéter, qui montre quelque part la diversité culturelle, son adaptation, l'intégration, notre intégration à nous tous. Et c'est un outil indispensable pour pouvoir se missier dans la société et ne pas parler de Sénégalais étrangers, être juste des compatriotes. Voilà. Même sa femme est ravie de ses horaires inhabituels. Ce qui m'arrange dans l'histoire, c'est qu'il part chercher les enfants entre midi et deux, il mange avec eux, il a le temps de les surveiller, de les ramener à l'école avant de partir au travail. Il est 15h quand Bassirou commence sa journée de travail. Alors moi je m'appelle Moussa, je suis superviseur à ICIT. Aujourd'hui, en quête de nouveaux profils, il enchaîne les entretiens. Sénégalais, Béninois, Camerounais, les centres d'appel accueillent beaucoup de jeunes diplômés ou des étudiants subsahariens. Les entretiens terminés, un débrief avec les collègues s'impose. J'en ai eu plusieurs. Et celui-là, c'est le dernier qui a fait que j'étais en retard à la présentation. Et il était comment ? Dans l'ensemble, ça va. Il a de bonnes prédispositions. Il est de quelle nationalité, lui ? Il est sénégalais. Ils vont étudier ici dans les universités parce que ça commence à devenir très réputé en Afrique. C'est vraiment l'endroit où le monde y vient, ici, le Maroc, maintenant, après toute cette ouverture. Et puis nous, on peut en profiter parce que, surtout pour nos chiffres de nuit, le monde, ils peuvent étudier le matin et puis ils peuvent travailler et puis financer leurs études. Bassirou circule entre les différents postes. Il note les performances des quelques milliers de téléconseillers, dont une centaine de ressortissants subsahariens. Go voyage, go bonjour. Que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît ? Il y a toujours de la disponibilité. Comme Mohamed Chang, étudiant sénégalais. Les conditions de travail sont les mêmes pour tous. Un salaire net de 6 000 dirhams, le transport gratuit, des primes de rendement et d'assiduité qui peuvent augmenter de 25% le salaire initial. Bravo Mohamed. Merci. Mohamed, c'est parmi les top performers de l'équipe sales. Donc, il est tout le temps souriant, bien habillé. Donc, je compte énormément sur lui. Et ses appels sont envoyés à l'équipe formation. Et avant qu'une équipe intègre la production, il les écoute pour avoir une idée par rapport à la charte qualité qu'il faut suivre en traitant des appels. Réaction à chaud. Bon, voilà, c'est que je dis en général, surtout par rapport à mes collègues. C'est juste notre travail qu'on en fait. Voilà, donc on ne demande pas plus, on ne demande pas d'être des génies ou d'être extraordinaire. Si on traite tout simplement les clients comme si c'est notre propre parent qui doit voyager, voilà, ça va être fluide et c'est tout, juste une conversation. Un anniversaire à fêter et les téléconseillers profitent d'un moment de détente pour oublier que la croissance du secteur ralentit et qu'ils doivent faire face à une rude concurrence continentale. Des entreprises marocaines se sont déjà délocalisées au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. L'actualité africaine marquée par cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le dossier du Sahara marocain. Les représentants des 15 États membres ont décidé mardi dernier de proroger de 6 mois le mandat de la MINURSO. L'instance onusienne y consacre une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie avant de saluer le nouvel élan impulsé par les deux tables rondes qui se sont déroulées à Genève en Suisse à l'initiative de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Fatih El Ayadi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé à une large majorité en faveur de la résolution 2468 présentée par les États-Unis.
Le texte relatif au dossier du Sahara marocain proroge de 6 mois le mandat de la MINURSO. Il consacre une fois de plus la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie dans le processus de résolution de ce conflit artificiel. Une adoption qui vient donc conforter l'approche du Maroc, félicité par l'instance exécutive onusienne pour ses efforts sérieux et crédibles. Le Conseil de sécurité qui n'a pas manqué de saluer non plus le rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme à Dakhla et Laayoun. Tout d'abord, la consécration du processus des tables rondes comme seule et unique voie pour la discussion et surtout progresser vers la solution politique de ce différend sur la question du Sahara, ce qui signifie la fin du cycle de Manasset. Le deuxième point, c'est le rôle de l'Algérie en tant que partie prenante principale dans la recherche de la solution. Et ici, le rôle de l'Algérie, il est mentionné. Elle doit contribuer à la recherche de la solution au même titre que le Maroc, la Mauritanie, le Polisario. Troisième point, c'est la confirmation des paramètres fondamentaux pour la recherche de la solution. C'est le socle de la négociation. C'est l'OP2. La solution doit être pragmatique, politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Du point de vue de la diplomatie marocaine, la résolution 2468 sur le Sahara revêt donc une importance particulière, notamment parce qu'elle reconnaît de fait qu'une implication forte, continue et constructive de l'Algérie est nécessaire pour mettre un terme à ce différend régional. Et dans ce contexte, le Conseil de sécurité a exprimé sa préoccupation quant à la violation par le Polisario des accords militaires au Sahara, tout en sommant le mouvement séparatiste de respecter pleinement ses engagements. L'initiative d'autonomie marocaine reste le fondement, reste la base, reste l'objectif, reste la finalité de toute négociation. Nous l'avons dit, et nous le redirons, que ce soit dans les tables rondes passées ou que ce soit dans les tables rondes à venir ou ici au Conseil de sécurité, il n'y a pas de solution en dehors de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le Conseil de sécurité qui a salué le nouvel élan impulsé par les deux tables rondes sur la question du Sahara, tenue à Genève à l'initiative de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Horst Köhler, qui a l'intention d'inviter le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à une nouvelle rencontre similaire. L'adoption de cette résolution a suscité différentes réactions à l'international. L'Union européenne s'est félicitée jeudi dernier du renouvellement du mandat de la MINURSO. Le même jour, la France réaffirmait sa volonté que soit mise en œuvre une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Quant à la Côte d'Ivoire, elle a réitéré son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. Déjà affaibli par le cyclone Idai il y a près de 2 mois, le Mozambique tente de nouveau de se relever après le passage de Kenneth. Ces rafales de vent qui ont atteint les 300 km/h se sont accompagnées de fortes précipitations. Le nord du pays a été alors confronté à de graves inondations qui ont rendu difficile l'accès de secours. Et cela risque d'aggraver le bilan qui fait déjà état de dizaines de morts et de dizaines de milliers de sinistrés. Safia Mjid. Vu du ciel, le nord du Mozambique a perdu tout attrait touristique. Le cyclone Kenneth a touché jeudi dernier la côte nord-est du pays avec des vents approchant les 300 km/h, accompagnés de très fortes pluies. Et ce, 6 semaines à peine après le passage dévastateur au sud du pays du cyclone Idai. We are very concerned because the water levels keep rising. It keeps raining since yesterday, and a lot of people have been displaced from their homes because we have more than 3,000 houses that have been destroyed. Selon les chiffres du gouvernement mozambicain, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont menacées par la montée dévastatrice des eaux suite au passage du cyclone Kenneth. Ce déluge rend l'acheminement des aides alimentaires très difficile. Ninguém esperava. É uma ventania muito forte. Era uma ventania sem esperável. Uma ventania que passou aqui, eu nunca vi na minha vida. É uma ventania muito forte. C'est une scène post-apocalyptique qui s'offre dorénavant aux Mozambicains. Ce cyclone a causé la mort de 38 personnes et a détruit jusqu'à 90% des habitations dans certains villages. Quando nós passamos bem por a maré como fez o Nautilus, como fez o Bemba Beach, a ponte e outros distritos.
Les routes sont devenues des torrents et les carrefours des cascades. Les pluies diluviennes ont tout détruit sur leur passage et menacent la sécurité alimentaire des habitants. Today morning, start the raining, coming too much, and we here we business to make it this business because the people need to eat, need the bread, but I try to sell something to other people here. Dans les zones touchées du Mozambique, ce sont plus de 30 000 hectares de cultures qui ont disparu sous les eaux. Les ravages causés par les cyclones pourraient porter à près de 1,4 million le nombre total d'enfants ayant besoin d'une assistance. En Afrique du Sud, pendant toute cette semaine, la population a commémoré la fin de l'apartheid. Il y a 25 ans, la nation arc-en-ciel organisait les premières élections présidentielles démocratiques. Les Noirs, qui représentent les trois quarts des habitants, avaient enfin le droit de voter. Mais un quart de siècle de droits et de liberté n'a pas pour autant mis un terme aux inégalités qui continuent à miner le développement de tout un pays. Mariama Moutsir. Ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la communauté colored, ou métisse, se sent toujours exclue et victime de racisme. Cette fois-ci de la part de la majorité noire. Victime des inégalités sociales et des violences qui touchent le pays, les colored se considèrent comme les grands oubliés des programmes de discrimination positive. Pas assez blanc hier, pas assez noir aujourd'hui. This place. So we're taking back our land, you know, as the Khoisan, and seeing that we have been neglected, pushed back, you know, put in the side, one side, you know, for us it's we the forgotten sheep. They classified us as the forgotten sheep. We as people are unemployed, there's no jobs. We are struggling where we come from. We are 6, 8, 10 in the yard around us. Yeah! Ici, jeunes et vieux mettent une partie de leur infortune sur le compte de leur couleur. Et même si les chiffres ne leur donnent pas raison, le revenu annuel des métis étant presque deux fois supérieur à celui de la majorité noire, certains en arrivent à regretter le temps de l'apartheid quand ils n'avaient ni droit de vote, ni liberté de mouvement. Criminalité, chômage, exclusion économique, ces dernières semaines, le ras-le-bol a gagné les quartiers métis. Ils s'estiment être les éternels laissés pour compte de la nation arc-en-ciel, voulue par Nelson Mandela. Plus de 25 ans après la chute de l'apartheid et l'accession du Congrès national africain au pouvoir, les inégalités atteignent toujours des sommets en Afrique du Sud. 64% des Noirs et 41% des Métis, contre seulement 1% des Blancs, vivent sous le seuil de la pauvreté. No, there's no such thing as Freedom Day. There's no such thing as freedom. We're still in apartheid. The better thing, the police are safer, you see? They've got guns on us, but we voted for that president, not them. We have the rights just like they have rights to be there. We have rights to be there too. Seriously. L'exclusion économique est à l'origine de plusieurs maux dans les townships autour du Cap, comme le trafic de drogue et la guerre des gangs. Des maux à l'origine de l'apparition d'une nouvelle forme de racisme. Dans une nation voulue arc-en-ciel, des groupuscules métis appellent aujourd'hui au renvoi par bus des migrants noirs venus des autres provinces. De quoi compliquer un peu plus un contexte de tension raciale déjà très explosif. Les autres faits marquants de l'actualité continentale de cette semaine dans ce tour d'horizon en 120 secondes signé Mariama Moutsir. Manifestation anti-système en Algérie. Une foule compacte est encore descendue battre le pavé et rejeter pêle-mêle les injonctions du général Gaïd Salah d'ouvrir un dialogue national, de tenir des élections présidentielles et réclamer l'application des articles 7 et 8 de la Constitution. Le feuilleton judiciaire contre les caciques de l'ancien régime ne semble pas calmer la colère des Algériens qui réclament la tête de Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président et homme fort de l'Algérie, jusqu'à ces dernières semaines. Ramadan ou pas, ils promettent d'être là vendredi prochain et tous les suivants jusqu'à la chute du régime en place. Une immense foule de Soudanais s'est réunie jeudi devant le QG de l'armée à Khartoum pour une marche d'un million de personnes. Le procureur général du Soudan a ordonné le même jour l'interrogatoire d'Omar el-Béchir en vertu des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais la foule ne décolère pas, elle continue à scander « Que tu chutes ou non, nous resterons ». Les contestataires ne veulent plus des militaires au pouvoir et réclament un transfert du pouvoir aux civils. Boubou Cissé, le nouveau premier ministre malien,
a signé jeudi un nouvel accord de paix qualifié d'historique. Merci. Plusieurs parties ayant décliné l'invitation du chef du gouvernement, Boubou Cissé devra se contenter d'un cabinet de large ouverture à défaut d'un gouvernement d'union nationale. La principale mission du nouveau gouvernement sera de conduire un dialogue inclusif sur 2 ans afin de permettre au pays de faire face à ses défis sécuritaires, politiques et socio-économiques. Nous faisons face aujourd'hui. Au Bénin, des violences ont éclaté mercredi après l'annonce des résultats provisoires des élections législatives de dimanche dernier. Un scrutin marqué par l'absence de l'opposition, qui n'a pas été autorisée à se présenter, et par un important taux d'abstention. 2 jours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont suivi. Ils ont coûté la vie à 2 Béninois. Le calme est revenu à Cotonou jeudi soir, pendant que la Cour constitutionnelle affirmait que malgré des irrégularités, l'élection était valide et transparente. En Libye, ils bravent les dangers et l'insécurité pour se lancer à la chasse aux truffes. Des truffes blanches très prisées par les populations des pays du Golfe. Les ramasseurs passent de longues journées dans le froid du désert d'El Hamad al-Hamra, à 500 km au sud-ouest de Tripoli, pour cueillir le précieux champignon. Les plus belles pièces sont ensuite vendues entre 200 et 300 dirhams le kilo. Mehdi Msaddaq. Nous sommes à El Hamad al-Hamra, dans la province de Nahlout, une région désertique à environ 500 km au sud-ouest de Tripoli. Cette silhouette au loin est celle de Milad Mohamed. De novembre à mars, le sexagénaire entreprend chaque année cette randonnée dans la région. Objectif, déterrer un trésor caché sous le sable du désert. Des truffes blanches, un précieux champignon comestible très apprécié et recherché pour sa valeur nutritionnelle et pour son goût. Le champignon de couleur ocre mesure entre 2 et 9 cm et pousse naturellement à des profondeurs pouvant aller de quelques centimètres à plus d'un mètre. Moins prestigieux et moins cher que son cousin noir, ce champignon souterrain ne pousse pas sous les chênes, mais en plein désert, après des chutes de pluie. Même de petite taille, la truffe a un goût spécial. Dans le passé, les gens coupaient la truffe en morceaux qu'ils faisaient sécher pour l'utiliser ensuite comme épice. En Europe, elle est proposée dans les restaurants les plus prestigieux. Mohamed Miled ainsi que d'autres ramasseurs vendent leur récolte une fois rentrés à Zinten, à environ 300 km au nord. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la truffe blanche a vu son prix tripler en raison de l'insécurité. La récolte de truffes cette année a été abondante. Le prix est acceptable et a sauvé des gens qui étaient dans le besoin. Cette année, comme chaque 6 ans en boucle cyclique, la récolte est suffisamment abondante pour faire baisser les prix. Passer de 130 dinars, environ 29 euros le kilo en début de saison, à 80 dinars, soit 17 euros pour les meilleures truffes. Trfes, ou la truffe blanche, est appréciée en Libye depuis l'époque romaine. Elle est également utilisée en médecine traditionnelle. Beaucoup ont cru à un trucage lorsque le cliché a été publié, mais il est bel et bien réel. Sur le selfie pris par le gardien du parc national des Virunga en République démocratique du Congo, apparaissent derrière lui 2 gorilles qui se tiennent debout, tels des hommes, et fixent l'objectif. Il s'agit en fait de femelles qui ont été recueillies par l'auteur de la photo il y a 12 ans. Elles le côtoient depuis au quotidien et ont pris l'habitude de l'imiter, ce qui en déroute plus d'un sur les réseaux sociaux, comme vous allez le voir dans l'Afrique 2.0 avec Teddy Patou. Ce selfie d'un garde-côte en République démocratique du Congo avec 2 gorilles a fait le tour du monde. Lorsque Mathieu Chamavou, garde forestier congolais, a posté ce cliché sur les réseaux sociaux pour amuser le comportement de ces 2 femelles gorilles des montagnes, il ne se doutait pas que ça allait devenir aussi viral. Ndakazi et Ndézé ont été accueillis très jolis à 12 ans dans le parc des Virunga après que leurs parents aient été tués par des braconniers. Habitués de vivre au contact des humains, elles reproduisent par mimétisme leur posture, leur démarche. Pourtant, si la photo amuse, elle raconte en réalité une bien triste histoire. Les gorilles des montagnes sont menacés par les braconniers qui cherchent à voler leurs petits pour vendre comme animaux de compagnie en Asie, quitte à tuer leurs parents. Ils sont 601 rangers à patrouiller sur les 8000 km du parc, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le domaine naturel congolais aux paysages variés va jusqu'aux frontières du Rwanda et de l'Ouganda.
175 rangers ont été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions en 10 ans par les milices armées. Cette photo, espérons-le, permettra de classer leur quotidien sous la lumière. Je vous invite maintenant à voyager à travers le continent, au gré des goûts et des saveurs. En début de semaine, le Centre culturel africain de Rabat organisait une journée de dégustation de spécialités culinaires subsahariennes. Une manière de rapprocher les cultures et de promouvoir la gastronomie de la région, qu'il s'agisse du tchèp sénégalais, d'une dolé camerounais ou de l'attiéké ivoirien. Voyez ce reportage de Abdallah Zeloufi, Younes Hebchaoui et Hicham Tsej. Mamie Louise et Rahma, deux cordons bleus confirmés, reviennent tout juste du marché. La tâche qui les attend derrière les fourneaux est de taille, préparer 5 plats traditionnels d'Afrique de l'Ouest. Elles vont faire voyager gustativement leurs convives à travers le continent de Dakar à Yaoundé, en passant par Porto Novo. Chaque fois, on invite des pays différents pour montrer la culture africaine. Ça, c'est Ruth, elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle va faire un plat ivoirien qui s'appelle la tchéké au poisson. Amiwa, c'est une pâte à base de farine de maïs. On prépare d'abord une sauce avec la tomate. On l'assaisonne avec le piment, le poivre, l'ail. Et après, on met la farine et on tourne. La culture passe aussi par la gastronomie. Et les dégustations sont le plus sûr moyen de faire connaître une culture à travers l'art culinaire. Alors que les préparatifs ne font que commencer pour certaines, d'autres ont pris de l'avance. Sika, elle, a préparé l'amiwo, un plat traditionnel typiquement béninois. À l'extérieur, les effluves titillent l'odorat des invités venus découvrir les spécialités culinaires subsahariennes en attendant de surprendre leurs papilles. Je vais découvrir ce petit gratin béninois. Voilà, Pour les convives marocains, ces plats sont une merveilleuse découverte. D'autres plats qu'on n'a pas l'habitude de prendre, c'est bien, donc il faut toujours manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. L'heure est à la dégustation et au verdict. Tout ce que je goûte, pour moi, ça me fait rappeler un peu la culture sud-américaine. C'est épicé, c'est bien relevé, et c'est plein de couleurs, plein de goûts. Belle découverte. C'est convivial, c'est chaleureux et on se remémore des souvenirs. En même temps, il y a des Marocains, on découvre aussi le couscous. Bon, je découvre pas le couscous, mais on en mange et puis il y a plusieurs saveurs, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs odeurs. Après le repas, un toast a été porté aux talentueuses cuisinières pour célébrer leur remarquable performance. Un moment chaleureux et convivial de partage à travers un repas exotique. On voit la musique, la peinture, on voit tout autre. Mais maintenant, le Centre culturel africain va faire un point d'honneur à l'art culinaire. À partir de maintenant, c'est comme ça. On va dire merci aussi à nos invités. À votre santé. Cette semaine aussi, nous vous avons préparé une sélection d'images saisies sur le vif aux quatre coins du continent et qui se passent de commentaires. C'est le zapping continental. Soyani, 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 so
Pour finir, je vous invite à découvrir une exposition intitulée « Lumière d'Afrique » qui se poursuit jusqu'au 15 août au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Elle réunit 54 artistes du continent autour de la thématique de l'accès à l'énergie. Le Maroc est représenté par Jamil Almrani avec une installation baptisée « African Dreams ». Cette dernière et toutes les autres s'envoleront bientôt pour la Tunisie, le Kenya et même jusqu'aux États-Unis. C'est un reportage de Abdallah Zeloufi et Youssef Lotfi. La ville lumière se pare aux couleurs de l'Afrique. Dans les galeries du musée Mohamed VI, une exposition particulière attire l'attention des visiteurs venus découvrir une cinquantaine d'œuvres africaines sur le thème de l'énergie. Une prise de conscience picturale sur l'accès à la ressource. Rouloud, médiatrice du musée, éclaire ce groupe de visiteurs sur le travail des artistes. L'Afrique a un art qui doit être respecté et on a aussi, on n'a pas que des guerres, on n'a pas que des misères dans ce continent. C'est un continent de couleurs, c'est un continent d'art, c'est un continent aussi qui contient des talents, de grands talents. Alors c'était ça. Chaque tableau accroché au Simez interprète la vision des artistes venus le jour de l'inauguration défendre leurs idées et la signification de la lumière pour eux. Mon œuvre représente en fait le développement durable parce qu'à l'occasion de cette expo, c'était lors de la COP21 et on a travaillé autour du réchauffement climatique et mon œuvre s'intitule « Le développement durable ». Et le but c'est de travailler autour des lumières d'Afrique. J'ai créé une œuvre pour Lumière d'Afrique qui symbolise le manque d'électricité en Afrique. Donc j'ai un constat pour que l'Afrique soit connectée au monde, pour que la jeunesse africaine puisse se développer, il faut une connexion à l'électricité, raison pour laquelle j'ai intitulé cette œuvre Génération C. Peinture, photographie ou encore sculpture, l'exposition est un voyage unique donnant à voir les beautés que recèle l'Afrique. Et beaucoup ont été touchés par les messages des artistes. J'ai été touchée parce qu'il y a de l'audace. Il y a de l'audace. Dans cette œuvre, il y a de l'audace. En général, c'est des pays pauvres qui ont connu la guerre, parfois il y a un manque d'eau. Et pourtant, l'artiste est dans son imagination et il a créé, au milieu de la souffrance, il a sorti de la beauté. À travers la culture, nous passons des messages très forts, des messages d'union, des messages d'amour, des messages pour le futur. Parce que le futur, ça va être l'Afrique. Chaque œuvre donne une vision de la diversité et de la singularité de l'art africain. Une exposition qui pousse à réfléchir. C'est une très belle idée d'avoir pensé à donc réunir tous ces artistes et de leur donner l'occasion de montrer un petit peu leur don artistique. Les visiteurs ne sortent pas indemnes de leur programme culturel. Après le Maroc, Lumière d'Afrique s'exposera en Tunisie avant de s'envoler pour l'Afrique du Sud au Cap. Pour cette passionnée d'art, chaque tableau se doit d'être immortalisé. Mais ça me permet de redécouvrir en tout cas d'autres talents que je ne connaissais pas et qui sont exceptionnels, que ce soit dans la photographie, dans des installations à base de recyclage ou dans des peintures en fait, qui sont quand même assez exceptionnelles et qui mettent un petit peu en lumière, comme son nom l'indique, les talents de ces différents pays en termes d'art contemporain. Né dans le sillage de la COP21 pour permettre à un ensemble d'artistes africains de réfléchir à la question de l'énergie en Afrique, elle se veut être une exposition universelle où les valeurs des 54 pays africains se côtoient. Ce numéro touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et merci à toutes les équipes d'ici et d'ailleurs qui y ont contribué. À la rédaction en chef, Fatih El Ayadi, à la réalisation, Abdeltef Talbi, à la production, Wafa Majidi, à la coordination, Ahmed El Mekkaoui. Permettez-moi au nom de toute l'équipe de Continental de vous souhaiter Ramadan Moubarak Saïd. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les confidences de presse de Abdallah Tourabi. Quant à nous, on se retrouve à l'issue du mois sacré. Et d'ici là, je vous laisse avec ces images du premier défilé marocain de la maison de haute couture Dior. La collection Croisière 2020 a été dévoilée dans le cadre féerique du Palais Bdeia de Marrakech avec des tenues en l'honneur de l'Afrique et inspirées de la culture marocaine.